Plutôt c'est Gamescraft. Alors maintenant on va faire une vidéo que je... En fait cette vidéo que je vais faire là, non c'était jeudi dernier, je voulais la faire, voilà. Donc jeudi dernier je voulais faire une vidéo, c'était la fin de la mise à jour normalement, mais comme j'ai pas tout fait, donc je l'ai fait aujourd'hui. Donc plus tard l'OM Minecraft Hotel, bien sûr, voilà, on est lundi, l'OM Minecraft Hotel quand même. Donc là aujourd'hui on va faire vite fait la fin de la 1.21, voilà, normalement la mise à jour 1.21. Normalement je vais vous montrer qu'ils ont ajouté dans la 1.21, et normalement ça va pas long, je pense que ça sera pas long, ça sera court, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, liker, tout ça. Donc on va se retrouver sur une map que j'ai préparée, voilà, pour vous montrer qu'ils ont ajouté de la 1.21, voilà. Et après on va passer à Minecraft Hotel plus tard. Je vais faire une vidéo plus tard pour Minecraft Hotel. Allez, on va se trouver sur la map. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc maintenant j'ai préparé la map. Bon, c'est une vidéo qui va durer pas longtemps, j'espère. Donc je vais vous montrer la mise à jour est terminée en fait. Donc j'ai mis tous les préparations de coffre plutôt, parce que je veux pas préparer un grand truc vraiment long à placer, c'est trop chiant. Je préférerais mettre ça dans les coffres cette fois-ci que mettre, voilà. Comme là c'est la fin de la 1.21. La 1.22, vous avez vu la Minecraft Live samedi, voilà, le résumé sorti hier soir, je crois, ouais. Donc voilà. Donc dans la 1.21, ils ont ajouté les nouveaux sculptures. Et dans les nouveaux sculptures, il y a des sortes de des escaliers en cuivre, voilà. Donc le cuivre, ça, non c'est ça le cuivre, ouais. Ouais, non c'est le cuivre en anglais. Donc en fait c'est des escaliers en comment ça s'appelle, quoi, c'est du cuivre, c'est ça, ouais. Je me souviens plus, c'est ça, ouais. Donc c'est du cuivre, non c'est ça, non, moi, je crois, ouais. Bon, c'est la même chose que... C'est du cuivre, ouais, c'est du cuivre. Donc en fait c'est du métal, voilà. En fait c'est du métal, on peut dire. Donc on a des escaliers en métal ou peu importe, c'est du métal le cuivre normalement, voilà. Donc le métal, le cuivre c'est du métal normalement. Donc ça rouille en fait. Donc le truc normal, le cuivre normal, c'est comme ça, et ça vient, ça se met comme ça en fait. Ça vient, ça se dit, ça va vieillir en fait, voilà. Le métal, c'est comme la tour Eiffel, voilà. Donc la tour Eiffel, c'est en métal, et tout, la statue de la liberté, c'est en métal. Donc c'est du cuivre en fait, hein, qu'ils ont utilisé pour faire ça. Donc voilà. Donc c'est pas la même chose, voilà. Bon, en fait c'est la même chose. Bon. Donc il y a plusieurs styles de cuivre, là, les escaliers, les portes, les trappes, et d'autres sortes de, là, des sortes d'échafaudages, je crois, c'est ça. Bref, tu as des sortes de nouveaux, voilà. Donc tous ces trucs-là, voilà, on les trouve dans une nouvelle sculpture. Donc c'est les chambres, voilà. Donc les chambres, c'est une nouvelle sculpture dans le jeu de la 1.21. Donc c'est nouveau, toute la salle sont dans les nouvelles sculptures, voilà. Donc ils ont ajouté ça dans la nouvelle sculpture, dans la nouvelle mise à jour, la 1.21. Donc tout ça, on trouve ça, c'est dans les chambres. On va voir les chambres après, donc dans un quart d'heure, voilà. Et il y a aussi, voilà, ici, la moitié des choses aussi que j'ai mis là aussi. Donc c'est la même chose, voilà, il y a tout ça dans les chambres, voilà, sauf en bas, hein, voilà, vous allez voir après, voilà. Donc voilà, tout ça c'est dans les chambres. Donc on va voir peut-être dans les chambres, voilà. Donc on va voir la nouvelle sculpture dans la 1.21, c'est quoi. Donc je vais vous expliquer, on peut trouver des choses aussi dans la nouvelle sculpture. Donc dans la nouvelle sculpture, on peut trouver ces sortes de machines, voilà. Et en fait, pour ouvrir, voilà. Donc il y a des nouveaux, il y a des sortes de en fait c'est des sortes de spawners, voilà. Mais c'est pas des spawners à zombies, des sortes de spawners creeper zombies, non. C'est des sortes de spawners à items, voilà. Des items collecteurs, on peut dire, voilà. Mais pour ouvrir ces sortes de toutes là, il faut avoir une clé spéciale. Donc là, deux clés spéciales. Il y a un sort de neuf et un sort rouillé.
Donc, celle-là, en fait, celle-là, en fait, celle-là ouvre les trucs qu'on a devant nous. Voilà. Donc, cette clé-là, il faut la trouver dans les chambres, soit dans les chambres, soit dans les chambres, soit dans les coffres des chambres, soit les tuer les mobs qu'il y a dans les chambres. Voilà. Donc, pour avoir ces clés, voilà. Donc, on peut avoir des diamants, des émeraudes, des flèches, des nouveaux potions, tout ça. Donc, on va ouvrir un. Voilà. Par exemple, là, on a ouvert un. Donc, on a eu un truc de miel, des flèches et une sorte de tout pour avoir les capes, des sortes de capes, comme vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, on a eu des flèches et voilà. Une sorte de pour les bannières. Voilà. Pour les bannières et un trou de miel, voilà. Donc on peut ouvrir par exemple celui-là. Donc on a eu un diamant, des émeraudes. Bon, ça c'est la chance d'avoir tout ça. Donc on a eu, voilà, dans celui-là, voilà. Dans celui-là, on va ouvrir tout quand même et après on va passer aux autres choses, voilà. Donc celui-là, on a quoi? Hop, ok, des flèches et un pot de miel et un arc, voilà. Ah ouais. Donc, si là on a eu des nouveaux trucs, on a eu ça. Ça, c'est pour la 1. Je sais plus laquelle, voilà. Donc, là, on a eu un arc puissance. Voilà, puissance 1. Voilà. Bon, c'est bien quand même. Donc, on va voir le dernier paquet. On peut donner des paquets surprise, voilà. On a eu un trident. Ok, donc là on a eu plein de choses nouvelles, voilà. Donc là on a eu deux diamants, waouh, sept émeraudes, ok. On a eu quelques machins, voilà, quelques flèches, voilà, pour l'arc. Et là on va avoir un nouveau item, voilà. Donc c'est un nouveau item, c'est celui-là qu'on a là dans notre main, c'est le vent. Donc le vent, c'est le chat, le vent. Ce qui est charge-vent, de vent. Donc le charge-vent, c'est. En fait, le charge-vent, c'est ça. Et c'est toute la salle, le charge-vent, qui nous bloque, qui nous donne ça. En fait, c'est un nouveau mob. Voilà. Donc le nouveau mob, on va le voir dans les chambres. Donc on va parler des chambres en dernier, je pense, quoi. Donc normalement, dans les sortes de pochettes surprises qu'on a là, dans les prochaines surprises, t'es là, ça peut pas repop, ça peut pas repop, il faut attendre, je sais pas s'il faut attendre ou que ça repop, je sais pas, voilà. Donc pour ces, en fait, pour on peut avoir dans ces sortes de prochaines surprises des potions, voilà. Ces potions, les voilà, les petits potions que vous voyez là. Donc en fait, c'est peut-être là. C'est des nouveaux potions, voilà, que les anciens et les nouveaux maintenant, voilà. C'est vol. Bon, c'est des nouveaux potions, voilà, de démon ciel, bon, rigolez. Voilà, des nouveaux potions, voilà. Donc là, il faut avoir une chance sur 1000 pour la force, une nouveau potion, voilà. Ok? Donc là, je vais arranger ça après. Donc, dans les nouveaux CD, voilà, sont là. Donc j'ai là des nouveaux CD. Dommage, je peux pas vous faire écouter la musique parce que j'ai pas téléchargé les musiques, voilà. Donc il faut télécharger maintenant pour avoir les musiques. Donc j'ai pas pu le télécharger. Désolé. Peut-être je vais télécharger pour une autre mise à jour. Voilà. Pour la première 22 pour vous faire écouter. Voilà, on va voir après. Voilà. Donc on va voir ça, ok? Donc voilà, donc là on a vu le nouveau CD. Donc après on va voir ici là, après que vous voyez là, après et ici après, ok? Donc voilà. Donc on va maintenant aller dans les chambres, voilà. Voilà. On va dans les chambres trouver voilà. Dans les chambres, on va trouver des nouveaux trucs aussi quand même. Donc dans les chambres, Henri a trouvé ce sort d'item, voilà, ici, voilà. Donc ces deux items là, ça que j'ai trouvé là, on peut les trouver dans les chambres, dans différentes manières. Ok?
Donc celle-là, on peut trouver dans les sortes de trucs qu'on a vus tout à l'heure là. Et celle-là aussi dans les autres différences. Voilà. Donc celle-là, en fait, on peut trouver celle-là dans les nouveaux qu'on n'a pas dans les trucs de crafting. Il faut le trouver dans celle-là, il faut trouver les nouveaux trucs dans la chambre. Voilà. Donc on va aller dans les chambres pour vous montrer c'est quoi. Et après on va parler de ça après, et de ça après, et de ça aussi. Voilà. Voilà. Donc allez, on va dans les chambres pour vous montrer la nouvelle structure des chambres. Voilà. Quand on trouve des chambres, tout ça. Voilà. On va aller tout de suite, et après on va finir en beauté par les bundles, les nouveaux mobs. Voilà. Donc on va parler du mob qu'il y a dans les chambres aussi quand même. Et voilà. Donc on va finir tranquillement en beauté par la moitié des choses. Allez, on va se retrouver dans les chambres. On est dans une chambre, voilà, c'est les nouveaux sculptures. On a vu tout ça dans les. Dans, voilà. On a vu tout ça qu'on a vu dans les coffres, voilà. Et par contre, il y a aussi des sortes de pièges, voilà, qu'on voyait, des sortes de pièges, voilà. Donc ici, en fait, là, c'est les spawners de vent. Donc tu as des nouveaux spawners, voilà. Oh. C'est des pièges, hein. Donc là, des spawners, voilà. Ah, voilà, désolé. Donc il y a des spawners qui a des nouveaux mobs devant, voilà. Donc il y a les mobs qui s'appellent le vent. Donc c'est un nouveau mob, voilà. Pour les battre, il faut vraiment avoir une chance ou mille pour les battre. Donc pour les battre, il faut vraiment être sûr qu'on peut les battre. Okay. Donc dans ça, en fait, il y a des. On a vu celui-là en haut, voilà. Il y a celui-là. Non, ça c'est quoi? Des spawners, ouais. Tu as des spawners de squelettes aussi, voilà, normalement. Voilà. Et voilà, des nouveaux squelettes, normalement, je crois. Ouais. Donc là, des nouveaux squelettes, des nouveaux mobs, voilà. Il y a aussi des pièges, voilà, tout ça, aussi des pièges qui sont là, voilà. Donc ça, c'est des pièges de flèches. Hein. Ah, ça c'est de l'eau. Ah, merde. Ah, merde. Hop. Donc t'as de l'eau, t'as des pièges, tout ça aussi, voilà. Là c'est des pièges, voilà. T'as des boules de neige, voilà. Voilà. Sympa. Et t'as aussi des flèches normalement aussi. Ah, des poisons, voilà. Effet de poison. Et à peu près t'as tout le long des pièges aussi, voilà. Et aussi là, ici, là, un nouveau spawner, voilà. C'est ici, voilà. Donc pour accéder à celui-là. Il faut faire un parcours, en fait. Voilà. Et celui-là te donne. Ah, celui-là te donne une chance sur 1000. Le saut de tout pour avoir le machin. Donc il faut avoir la clé. Cette clé-là, ça. Voilà. Que vous voyez là. La clé saute de bleu. Voilà. Donc quand on la ouvre, regardez qu'on peut avoir, par exemple, des flèches. Soit du vent. Bon, on peut avoir plein d'autres items aussi. Voilà. Donc c'est rare. Donc il faut faire un parcours en fait pour arriver ici. Il faut sauter de là, vous voyez, c'est un parcours en fait. Voilà. Donc dans ça, il y a plusieurs endroits. Dans les chambres, il y a plusieurs endroits. Par exemple, là des chambres, on peut dormir normalement. On peut dormir, on peut faire plein de choses, voilà. Et en fait, on peut se battre ici normalement. Avec deux nouveaux mobs. T'as le vent, attends, on va essayer de le faire. Non, j'ai pas envie de mourir là, donc voilà. Donc, si je meurs là, mon spawn n'est pas là, donc voilà. C'est pour ça que je vais pas le faire. Donc, dans les chambres, il y a plusieurs styles de monstres. Par exemple, là, c'est nouveau squelette. On va voir après. Voilà, bon, on va voir après les nouveaux squelettes et le vent. Voilà, donc, normalement, il y a un endroit où on peut sortir quand même. Bon, donc, dans les chambres, il y a plusieurs endroits. Donc dans les chambres, c'est vraiment énorme, voilà. T'as des sortes de passages, voilà. Donc voilà. T'as aussi des entonnoirs, voilà. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. On va essayer de voir si je peux sortir de là, quand même, pour vous montrer s'il y a d'autres endroits. Ouais. Ici, il y a voilà, des sortes de pièges, des sortes de passages comme ça, voilà. Donc les chambres, c'est vraiment énorme. Là, des pièges, là, comme ça, là, des barils aussi.
T'as des haches, voilà. On peut trouver des barils, t'as des haches, des pancartes, des torches, voilà. Plein de choses, voilà. T'as des lumières aussi. Voilà, j'ai oublié des lumières aussi. Donc j'ai oublié de vous me présenter les lumières aussi, voilà. Donc t'as des nouveaux lumières aussi dans la nouvelle mise à jour, voilà. Que j'ai oublié de vous mettre dans les coffres, voilà. C'est ça aussi. T'as des trucs de poterie aussi, voilà. Aussi, voilà. Donc j'ai oublié de vous mettre les lumières aussi, c'est vraiment intelligent. Ouais. Donc t'as des poteries, t'as tout qu'il faut voilà, dans les chambres, voilà. Donc voilà. Donc on va passer aussi à nous. Voilà, là, il y a des chambres. Voilà. Tout ça, c'est des pièces des chambres, voilà. Donc, tout ça, c'est les chambres, voilà. Ça appartient aux chambres. Voilà. T'as des pièces, t'as toutes sortes de pièces, voilà. Et aussi, il y a tellement d'endroits que là aussi, là, on peut pas accéder ici. Donc pour accéder ici, il faut faire un chemin, voilà, pour accéder à cette sorte de voilà, t'as, hop, t'as, oh là, hop, ah, t'as un arc, t'as un, ah ouais, t'as une sorte de amalette, voilà, t'as des coffres aussi, voilà, tu peux trouver des flèches, tout ça, voilà, des coffres aussi, il y a quoi dans ce coffre, ok, des flèches, ok, voilà, donc aussi, on peut trouver des sortes de pièces comme ça, voilà. Bon là c'est vide, ok. Bon. T'as aussi en haut là quoi, juste avant, curieux savoir. Donc en haut t'as des sortes de pièces aussi, normalement je crois. Ouais. T'as, ok. Bon. Bon là rien ici. Bon voilà, bon c'était. Voilà. Donc voilà, on va maintenant on va parler, on va aller voir les. On va aller, comment dire ça? On va aller. Wesh. Salut, bref. Bon, voilà, on va aller. En fait, on va aller. Hop là. Donc, on va aller voir les nouveautés encore. On va voir des nouveautés encore. Donc, on va aller. Je vais vous montrer les mobs qu'il y a. Voilà. Et après, on va finir la vidéo tranquillement. Au beauté, par peut-être. C'est pas, on va voir. On va voir les nouveaux mobs qui sont ajoutés. Voilà. Les deux nouveaux mobs. C'est le blaze de vent, voilà, ça s'appelle le blaze de vent, il lance des vents, voilà. Et le nouveau squelette, et après on va avoir des nouveaux animaux aussi, voilà, comme le tatou, et voilà. Donc on va voir les nouveaux mobs, on va ouvrir celui-là, voilà, on va ouvrir celui-là, on part, voilà, à l'aventure. Ah ouais, c'est pas. Bon, allez, on y va, là, des potes aussi, voilà, je vous dis, là, des potes, voilà. Donc on peut ouvrir les portes, voilà. On va tomber sur des salles, voilà. Voilà. Ah, voilà. Ce que j'ai parlé, voilà. Donc on a des lits aussi, voilà. Si on trouve des portes, peut-être on peut trouver des sortes de lits, voilà, pour dormir, voilà. Donc sur les dormeurs ici, on peut dormir ici, voilà. Faire une petite souris ici, voilà. Donc voilà. Maintenant, on va aller, comment dire, on va aller dans... On va aller dans... On va aller... Au milieu de, on va au milieu de, on va aller dans le lieu de spawn, ok. Et on va, je vais vous présenter les deux, les trois nouveaux animaux, les trois nouveaux mobs qu'ils ont ajoutés. Le tatou, le squelette et le blaze de vent. Et après, on va finir par les nouveaux styles de chiens, voilà, qu'ils ont ajoutés. On va se trouver dans le lieu de spawn. On va commencer à parler des nouveaux styles de animaux. On va commencer par les tatous. Et les tatous, on va commencer par les tatous. Attends, hop. Va commencer par les tatous. On va commencer les mobs pas hostiles. Voilà. On va commencer par le tatou. Voilà. Et on va commencer par les tatous. Voilà. Donc les tatous, c'est un nouveau mob. Un nouveau mob. Les voilà. Ils sont très gentils, très mignons. Voilà. Bon, on peut les faire peur. Pour les faire peur, il faut sauter devant eux. En fait, il y a quoi? Si on saute devant eux, je sais pas, normalement. Si on saute devant eux, ils vont avoir peur de nous, normalement. Donc là, normalement, s'ils ont peur de nous, normalement, je crois. Et si on les voit, par exemple, ils se cachent, voilà. Voilà. C'est pas... Ils se cachent dans leur carapace, voilà. Donc voilà. Donc pour les faire un enfant, les bébés, voilà. Faire des petits tatous, je crois il faut avoir... Je me souviens plus, merde, désolé.
Pas des graines. Non, non, je pense pas que c'est des graines. C'est pas des poulies. Non, pour les accouplir, je crois qu'il faut avoir. J'ai oublié. Seigneur. T'as des graines, hein? Bon. C'est pas des poulets, mais bon, je pense pas, hein, mais. Tatou, c'est des graines qu'il faut accouplir? Non, pas de graines. Bon. C'est pas des graines, hein, pour les accouplir. Donc, c'est quoi encore? Non, c'est quoi encore pour les accouplir, les tatous? C'est pas des herbes, je sais plus. On va prendre tout ça de tout pour les voir si c'est pas ça, mais. Je sais pas. Pour les accouplir, je sais pas du tout, c'est ça? C'est ça? Non. C'est ça? Ah, mais c'est quoi, il faut les accouplir, hein? Bon, j'ai oublié comment les accouplir, hein? Désolé. Voilà. Je crois que pour les accouplir, il faut avoir un item, je ne sais pas lequel. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui mange encore les tatous, je ne sais plus. Donc, il me semble que c'est soit des fleurs, peut-être, je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas. Je sais plus, alors là, je sais plus, bon. Non, mais je pense pas c'est des fleurs, bon. Je vais voir après c'est quoi qui mange, voilà. Bon, pour faire des bébés, normalement. Donc, les tatous mangent, je sais plus c'est quoi ils mangent, les tatous, normalement. Donc, quand les tatous, on les retrouve dans la savane, voilà. Donc, ces sortes de bestioles, on les trouve dans la savane, voilà. Je sais pas c'est quoi qu'ils mangent, donc on va voir après, donc voilà. Non, pas des gâteaux, c'est pas bête. Donc, les cas, je sais pas c'est quoi que ça mange, normalement, un tatou. Donc, les tatous, là, à nouveau, les tatous, c'est des tatous, voilà, c'est nouveau. Des nouveaux mobs, voilà. Donc, je sais pas c'est quoi ça, moi j'ai tatou, donc voilà. Donc, la défense, hein, voilà, là, des nouveaux loups, voilà. T'as ces loups là, ça, t'as, là, c'est les loups normal. Et si on les fait spawn dans différents endroits, par exemple, dans. Par exemple, la savane, c'est ces sortes de loups, voilà, dans la savane. Et là, différents loups, voilà, t'as les loups normal. Ça, on les fait spawn dans les biomes normales, c'est là qu'ils spawnent dans les loups normales. Et dans les savanes, à ces sortes de loups, voilà. Il a différents loups, voilà. Par exemple, on va voir les têtes de deux ou trois différents loups, voilà. On va voir un nouveau loup, encore, la plusieurs nouveautés de loups. On va voir un des loups, et après, on va passer au. On va voir un des nouveaux mobs aussi, normalement. Un des nouveaux mobs, c'est les deux mobs hostiles. On va voir les deux mobs hostiles, voilà. Et après, c'est tout. Voilà. On va voir les coffres, voilà. Pour d'autres choses, voilà. Allez, on va voir les différents loups, voilà. Il y a des sortes de petits loups, voilà. Des loups, là, des 16 variantes de loups, voilà. Ces variantes de loups, on les trouve dans ces sortes de forêts, voilà. Et pardon, 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 pardon. Désolé, désolé, désolé. Désolé. Donc, là, c'est cette variante de loups, voilà. Ça, c'est les sortes de variantes de loups dans différents biomes, voilà. T'as un biome montagne, je pense. Ça, c'est un autre biome, voilà. Et t'as aussi les loups qui spawnent normalement dans cette sorte de forêt, normalement. Ces sortes de forêt, voilà. Donc, ces loups-là, ça, je pense que c'est pas les loups normaux, je sais pas. Ouais, c'est normal, ouais. Normal, ouais. Et t'as des loups qui spawnent dans ces sortes de forêt, normalement aussi, voilà. Normalement, c'est une sorte de loup. C'est loup, là, ça? Ah, ça, c'est loup normal, c'est. Non, non. Donc, t'as des loups blancs aussi, comme cela. Donc, ça, c'est des loups de neige, voilà. Voilà. Ça, c'est une sorte de loup blanc. Voilà, là, des loups blancs, voilà. Donc, les loups blancs vivent dans les monts des taïgas enneigés. Donc c'est des taïgas enneigés en anglais, en français, c'est un bon enneigé, on peut dire, c'est un arbre, des forêts de sapins enneigés, voilà. Pour en trouver ces sortes de loups blancs, voilà, c'est des nouveaux loups, des styles de loups blancs, voilà. Voilà, dommage, je ne peux pas les prendre aller à la base avec, parce que, vraiment, ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc il y a des sortes de petits loups blancs. Il y a d'autres différents de loups blancs, comme la savane qu'on a vu tout à l'heure là. Comme là, tout à l'heure, on a vu des sortes de loups. Voilà, il y a des loups blancs, là, des loups partout de différentes couleurs. Mais sauf à des loups, t'es pas dans le désert, je sais pas. Donc,
Il y a des loups normales aussi, voilà. Il y a plusieurs variants de loups aussi, voilà. Donc voilà, on va passer, on va voir les mobs. Les deux mobs Austin. Et aussi les crafts à la fin. Les crafts sont à la fin, voilà. Les crafts qu'on peut faire des choses, voilà. Différence. Allez, direction les mobs Austin. Donc voilà, maintenant on va commencer par les animaux hostiles, c'est-à-dire les animaux pas dangereux. Pardon, on va commencer par le squelette. Ah, merde. Ah, attendez 2 secondes. Hop. Voilà. Et donc, ça sera mal. Voilà. Donc on va commencer par le squelette. Donc c'est un... Ah, mais... Ah, mais il peut pas rester là. Bon, les chiens, elles attaquent moi. Donc c'est un nouveau squelette. J'espère que je vais rester là, lui. Bon. Lui, c'est un nouveau squelette. Ah, mais c'est bon, il s'en aille, moi. Attends, la seule manière... Ah, non, les zombies vont m'attaquer. Bon, alors, je crois que je vais mourir bêtement un peu de pour vous. Ouais. Ah, vite fait. Désolé, attendez 2 secondes, je vais que ça. Donc voilà les deux nouveaux mobs. T'as le squelette, voilà. Qu'on voit en fait, ça spawn soit dans les marais, soit dans les chambres. Là, on était tout à l'heure là. Et lui, il spawn dans les chambres, voilà. Donc voilà, on va commencer par lui, voilà, c'est plus simple, là. Voilà. On va rentrer dans le toit, j'espère qu'il va pas s'en aller, quoi. Et voilà. Donc lui, en fait, lui, c'est le blesse du vent. Voilà. Donc, si vous voulez... Attends. Donc lui, en fait, on peut l'attaquer. Donc lui, il nous donne à peu près... Voilà. Bon, est-ce qu'il va attaquer? Ah non. Donc lui, il nous donne du vent, voilà. En fait, il nous attaque avec le vent en distance, voilà. Et quand on le tue, voilà, comme ça, il nous donne deux bâtons, voilà. Les deux bâtons, c'est pour faire une nouvelle arme, voilà. Donc les deux bâtons, c'est ça, voilà, qu'on a dans le... C'est ça, les deux bâtons, voilà. Donc pour faire une nouvelle arme, l'arme, ça s'appelle la massue, voilà. Le craft, le voilà. Le craft, c'est ça, voilà. Le craft, voilà. Vous voyez là, c'est le craft. Voilà, pour avoir la nouvelle arme. Donc, on va le pour la nouvelle arme, voilà. En fait, c'est une nouvelle arme, voilà. C'est une massue, voilà. Donc, la massue, en fait, va vous protéger, voilà. Ça peut tuer un mob rapidement. Ok, tout ça. Voilà. Donc là, par exemple, on va essayer de tuer ce mob avec la HU. La hache, voilà. Et hop, voilà. Par exemple, là, je donne des petits coups, voilà. Par exemple, oh putain. Là, c'est un nouveau mob, tu vois. Donc, normalement, c'est un nouveau mob, voilà. Tu vous drop comme des squelettes, tout ça. Voilà. Bon, l'effet que j'ai pas le trou, le temps de machin, voilà. Donc, c'est un nouveau arme, voilà. C'est pour le craft, voilà. C'est comme ça. Et t'as des nouveaux aussi de. Donc, tu as des nouveaux traps ou des nouveaux crafts. Tu as le bundle, voilà, qui est ici. Et tu as le nouveau, ça c'est pour protéger notre chien, voilà. Et aussi, tu as la nouvelle table de craft, voilà. Ça c'est la nouvelle table de craft, voilà. Là c'est le craft de la nouvelle table de craft. Là c'est le craft pour les boucliers des chiens, voilà. Donc les chiens ont des pouces à protéger, voilà. Pour récupérer ce truc-là, ça, il faut avoir des tatous, voilà. C'est des écailles de tatous, voilà. Il faut récupérer pas beaucoup, voilà. Donc les tatous, c'est eux, voilà. C'est soit il faut les... Bon, c'est dangereux, mais c'est mortel, désolé. C'est soit il faut les tuer. Ça donne rien, non? Ça donne rien, ok. Je crois que pour avoir les écailles, il faut faire des bébés tatous, voilà.
Donc pour faire les bébés tatous, je ne sais pas qu'il faut faire encore. Il faut lui donner quoi comme nourriture, je sais plus, voilà. Je pense qu'il faut les donner à nourriture. C'est quoi les nourritures des tatous, je sais plus. Bon. Je vais voir quand même, je vais vous dire à la fin, peut-être, voilà. Voilà. Donc tu as les crafts tous les tout, voilà. Tu as le nouveau, voilà. Tu as le bundle, voilà. Le craft du bundle, c'est ça. Et en fait, le tout là, on peut mettre les couleurs dessus. Voilà. On peut mettre du blanc, voilà, on peut mettre du blanc, du rouge, du jaune, voilà. Voilà, on peut mettre toutes ces couleurs-là, voilà, dans le bundle. Tout ça, que vous voyez là. Ça, c'est le bundle, voilà, à toutes les couleurs, voilà. Voilà. Voilà, donc là, maintenant, on va passer à la fin de la vidéo, je crois. Il y a des nouveaux tableaux, voilà. Bon, environ, la tête de 10 ou 20 nouveaux tableaux, voilà. Et on va finir la vidéo tout de suite là parce que sinon ça trop long, voilà. Donc je vais vous montrer quelques-uns des tableaux, voilà. Donc je crois qu'on va finir la vidéo par les tableaux, il y a différents tableaux, je pense qu'il y a 10 ou 20 nouveaux tableaux, voilà. Donc je vais vous montrer les tableaux, voilà. Il y a tous ces tableaux là. C'est des nouveaux tableaux, des nouveaux peintures, voilà. Voilà, je vous laisse regarder, voilà. On a des nouveaux peintures, c'est mignon comme tout, voilà. Donc là, des nouveaux peintures, je sais pas s'il y a des grands peintures, je sais pas trop, voilà. Donc voilà, là, tous ces peintures-là, ça, sont trop beaux, quand même. Voilà, des nouvelles peintures, à part les anciens aussi, voilà. Donc là, des anciens, là, des nouveaux, voilà. Voilà. Donc là, on va finir la vidéo, je crois, tranquillement, par beauté. Et on a fait quoi encore? On a montré les crafts normalement. Voilà. Donc voilà, là, tous les crafts, voilà. Des nouveaux items, voilà. Et normalement, je pense que c'est bon. Et dans la fonctionnalité du bundle, voilà. C'est on peut mettre des items à l'intérieur, voilà. Donc on peut mettre tous les items quand même. Mais il faut pas mettre tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, comme si par exemple, il faut pas mettre tout, parce que j'ai vu la moitié. J'ai mis celui-là, voilà. Comme ça, je peux mettre par exemple un CD, voilà, par exemple, voilà. Ça sert les bandons, c'est ça sert. Voilà, à ranger comme les coffres, par exemple, comme les coffres, comme les. Les bandons, c'est comme les coffres, voilà. Mais on peut les amener avec nous, voilà. Par exemple, voilà. Donc les bandons, c'est ça. En fait, quand vous le tout et vous mettez le logiciel dans le sac, voilà. Voilà. Bon, le sac est déjà plein, donc voilà. On peut mettre les items, peut-être seulement les blocs, je sais pas quoi, voilà, dans le bundle. En fait, le bundle a plusieurs fonctionnalités, c'est la même chose qu'un sac, voilà. Voilà. Donc, on a fini la vidéo, la 1.21, la mise à jour est terminée normalement. Donc, on va se trouver pour les vidéos de la mise à jour 1.22, voilà. Donc là, 1.22, ils sorti les mises à jour va sortir peut-être vers novembre, décembre, par là, on va voir, voilà. Le tout qu'ils ont montré dans la Minecraft Live, en fait, ils vont ajouter, voilà. Donc voilà, le nouveau biome, les nouveaux mobs, et voilà. C'est très long, c'est pas court long, mais bon, c'est très court. Voilà, c'est une petite mise à jour, là, 1.22. Donc voilà, je vous laisse tranquillement pour cette vidéo, là, 1.21, il est sorti normalement depuis longtemps, voilà. Donc voilà, je vous laisse tranquillement pour notre prochaine vidéo, plus tard, sur la Minecraft Live, Minecraft Hotel, pardon, voilà. Donc allez, je vous laisse tranquillement, bye, ciao, tchuss.